Bonjour, bonjour. Alors, je vais toujours vous parler de la révolte vue par Albert Camus avec l'homme révolté. Je vais commencer par vous parler de la révolte historique. C'est le grand 3 du livre. Alors, en vérité, nous dit Camus, la révolution n'est que la suite logique de la révolte métaphysique. Et nous suivrons, dans l'analyse du mouvement révolutionnaire, le même effort désespéré et sanglant pour affirmer l'homme en face de ce qui le nie. L'esprit révolutionnaire prend ainsi la défense de cette part de l'homme qui ne veut pas s'incliner. Simplement, il tente de lui donner son règne dans le temps. Refusant Dieu, il choisit l'histoire pour une logique apparemment inévitable. Oui, on n'est plus dans la révolte métaphysique. C'est une autre révolte. C'est une révolte qui s'enracine dans l'histoire. Et donc il nous parle de révolution. Hein. La révolution, c'est la suite logique de la révolte. La suite logique. Mais là, on est sur une révolte politique. Et ça donne une révolution. Genre révolution française. Je relis. En vérité, la révolution n'est que la suite logique de la révolte métaphysique. Et nous suivrons dans l'analyse du mouvement révolutionnaire le même effort désespéré et sanglant pour affirmer l'homme en face de ce qui le nie. Et oui. C'est une affirmation de soi, a priori. Une révolution. De soi. Une affirmation de l'homme. L'homme, l'humain. L'humain qui s'affirme face à ce qui le nie. L'esclave. On l'a vu. Eh bien, se révolte contre son maître. Le révolté métaphysique. Il se révolte contre Dieu. Le révolutionnaire se révolte contre ceux qui le nient. Un moment de l'histoire. Tous les révolutionnaires, nous dit Camus, visent finalement à l'unité du monde et agissent comme si ils croyaient à l'achèvement de l'histoire. Et oui, la fin de l'histoire, évidemment. Ça, c'est quand même un terme cher à la philosophie de Hegel, la fin de l'histoire, ce qui vient mettre fin à l'histoire. C'est-à-dire, après ça, c'est bon, il n'y a plus de boulot. La société, elle est impeccable. C'est la fin de l'histoire, terminée. Donc, tous les révolutionnaires visent finalement à l'unité du monde et agissent comme s'ils croyaient à l'achèvement de l'histoire. Bon, unité du monde. La révolution viserait l'unité du monde, quand même. C'est un projet, a priori, d'unification. On pourrait en discuter. Camus va nuancer, bien sûr, tout ça, dans son ouvrage. Il va dénoncer certaines révolutions. Il va dénoncer beaucoup de révolutions, en fait. Parce que... Eh bien... L'égalité n'est pas présente dans toutes les révolutions. Et donc, s'il y a des victimes au sein d'une révolution, fussent-ils les anciens oppresseurs, eh bien, cela dérange Camus. Une bonne révolution installe l'égalité et pas... Comment dirais-je ? De nouvelles classes, selon Camus. Donc... Le propos de cette analyse, il nous parle de l'essai. Le propos de cette analyse n'est pas de faire la description
100 fois recommencer du phénomène révolutionnaire, ni de recenser une fois de plus les causes historiques ou économiques des grandes révolutions, il est de retrouver, dans quelques faits révolutionnaires, la suite logique, les illustrations et les thèmes constants de la révolte métaphysique. Il veut retrouver dans les révolutions les thèmes de la révolte métaphysique. La plupart des révolutions prennent leur forme et leur originalité dans un meurtre. Toutes ou presque ont été homicides, mais quelques-unes ont de surcroît pratiqué le régicide et le déicide. Régicide, déicide. Tuer le roi, tuer Dieu. Donc il y aurait des meurtres dans les révolutions. Ça dérange Camus, ça. Il a bien raison. Donc, là où l'esclave se révolte contre le maître, il y a un homme dressé contre un autre, sur la terre cruelle, loin du ciel des principes. Le résultat est seulement le meurtre d'un homme. Les émeutes serviles, les jacqueries, les guerres des gueux, les révoltes des rustraux mettent en avant un principe d'équivalence, vie contre vie, que malgré toutes les audaces et toutes les mystifications, on retrouvera toujours dans les formes les plus pures de l'esprit révolutionnaire. Le terrorisme russe de 1905, par exemple. Voilà. Donc, il y aurait une constante dans les révolutions des meurtres, la mort. Et donc ça, c'est... Camus va dénoncer ça tout au long de l'ouvrage. C'est pas une révolte, ce n'est pas une révolution digne de ce nom qu'une révolte qui aboutit au meurtre. Il dénonçait le paradoxe dans les frères Karamazov d'Ivan. Il dénonce aussi le paradoxe des révolutions sanglantes, Albert Camus. Alors, il y a encore quelque chose à dire sur la révolte vue par Camus, notamment dans la révolte au sein de l'art. Mais je vais les dire dans une autre vidéo pour un petit peu, comment dire, pour qu'il y ait un chapitrage, hein, pour que ce soit un petit peu voilà, décomposé. C'est-à-dire, bon, introduction à la révolte vue par Camus, la révolte métaphysique, la révolte historique, et puis comme ça on fera la révolte artistique. On aura les trois types de révolte de Camus. Donc voilà, on vient de voir une nouvelle forme de révolte. La révolte historique qui aboutit à la révolution. C'est une révolte donc politique. Elle se distingue de la révolte métaphysique, même s'il y a des points communs, comme on l'a dit, et de la révolte bien de l'esclave contre son maître. Évidemment, c'est pas la même dimension, hein. Maître contre esclave, il y a deux personnes, esclave contre maître. Ensuite, révolte métaphysique, donc c'est contre Dieu, c'est pas une personne, c'est autre chose. Et puis révolte historique, là c'est un moment politique, une organisation, un temps de l'histoire. C'est quand même des formes de révolte qui sont différentes. Ça, on vient de le voir. Camus dénonce les révoltes sanglantes, on l'a vu. Parce qu'au final, comment dirais-je? Eh bien, celui qui tue commet ce qu'il dénonce. Voilà. Donc ce n'est pas une révolte digne de ce nom. La révolte digne de ce nom est celle qui installe de l'égalité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Enfin, pour l'instant, je vais faire d'autres vidéos. Donc, bah tout de suite, ou pas. Donc, si vous ne revenez pas, bonne journée à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, faites comme vous voulez. Allez, merci beaucoup.